avons profité de l'occasion pour nous donner un gros coup de chapeau pour la population haïtienne qui n'a jamais suspendu la bataille. Avec courage, fierté, avec détermination, malgré la situation difficile, le pays a traversé. Le parti politique aidé a félicité la population haïtienne pour le gros engagement qu'il prend, pour prendre des stèles en main, pour le gros engagement qu'il prend. Pour faire respecter le droit de Majeli dans le dossier canal Rivière Massacre là, comme peuple qui marquait l'histoire. Nous avons saisi l'occasion pour nous dénoncer à toute force nous, manœuvre gros moyen, président dominicain Luis Abinader a fait, pour vous vendre nous, tête nègre, produits pourris, à produits gâtés, ne pas arriver à vendre dans l'autre pays. Décision ça, à un pilote prouvé à clair volonté li gagnait pour faire Haïti tourner ti la cou derrière la caille République Dominicaine. Aider à tout haïtien dans 10 départements pays axilayo qui dans diaspora répondre ensemble pour dire président Abinader à ultranationaliste dominicain yo sera CETA canal là avancé. Parti politique aidé a dénoncé comportement complice, mafoubé, reste avec et apatride, gouvernement décrié, illégitime et impopulaire Ariel Henry a dirigé, qui n'a pas décidé de défendre l'intérêt de la population. Gouvernement irresponsable ça a décidé de passer l'intérêt de la population en papier pour défendre l'intérêt étranger. Mais nous considérer dans le discours Ariel Henry dans les Nations Unies, il n'a pas mentionné même une fois la construction du canal sous rivière Massacre. Nous sommes clair, Ariel Henry, c'est complice raciste dominicain. Là, nous considérons, depuis que Ariel est dans les Nations Unies, le ministère Agriculture n'a pas pris aucun engagement pour finir le travail de la construction du canal. Nous sommes clair, Ariel Henry, c'est complice raciste dominicain. Mais nous considérons comment le gouvernement dominicain prend environ 7 mesures pour humilier les peuples haïtiens. Alors que Ariel Henry prend une décision, la lose, Ariel Henry montre à clair qu'il est complice raciste dominicain. Toujours attaché à la position et de quoi, après plus passé de l'année, Ariel Henry passé sous pouvoir. Il n'a pas fait rien dans l'intérêt de la population. Il doit démissionner. Ariel décrié, il est illégitime, il est incompétent, il est impopulaire, il est incapable de mener le pays à Jodia. Il doit démissionner. Jodia, la population a souffert. Elle a monté le ciel par dos. Elle a une misère atroce. Elle n'a pas mangé. Elle n'a pas avoir une visite de l'école. Elle n'a pas une taille pour le rester. Elle n'a pas une relation. Ariel doit démissionner et décamper bon peuple haïtien pour demander démission Ariel Henry sans condition. Dans ce sens, aider à continuer son élambi vigilance et mobilisation. Pour le rappeler, pendant des années, Ariel passé sous pouvoir, il a déjà signé deux accords. D'ici un accord qui s'est accord 11 septembre 2021 sous nom accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire, n'a pas respecté l'un dans l'engagement de prendre. Ariel Henry a allié lui. Dans la date 21 décembre 2022, signé un autre accord pour prolonger la durée de transition. Dans l'accord 21 décembre 2021 ça que aidé pas signé qui est le consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes, Ariel prend un paquet d'engagements qui n'est pas respecté. Pas de concertation nationale. 1. Pas de feuille de route pour la transition. 2. Pas d'organe de contrôle de l'action gouvernementale. 3. Pas de plan global de sécurité. 4. Pas de conseil électoral. 5. Pas de comité d'experts sur la révision constitutionnelle. 6. Sous ensemble engagement, Ariel Henry de Brayo, il fait 0 barre. Ariel fait 0 barre. Au lieu de faire la gare, il
li plutôt fermer mise sous système financier national là, les nommer dans dollar loi. Yo conseil dans tête BRH, yo façon pour le jeune en pile l'argent pour l'organiser élection malaction contre peuple là. Population a doit rester vigilant pour faire échec à manœuvre Ariel Henry actif oubli cap tenter faire un cahier petits amis pour faire élection petit bascou. Aider à attirer attention population à tout acteur dans la vie nationale là article 20 dans l'accord 21 décembre que Ariel Henry a signé qui publié dans le journal Le Moniteur. 7 février, c'est la fin de la période intérimaire. Ariel Henry aujourd'hui n'a gagné aucune légitimité ni crédibilité pour négocier une autre app. Aider à rappeler la population que la bataille n'a pas mené, c'est une bataille contre le système que Ariel Henry présentait aujourd'hui comme gardien. Un système générateur de pauvreté, d'extrême pauvreté et d'exclusion. Je dis, aider comme la population pour lui chavirer le système ça. Un système qui chita sous exclusion monde. Un système qui chita sous injustice. Je dis, aider prendre engagement bon côté tout secteur de la vie nationale là pour chavirer le système ça et pour nous libérer le pays. Merci la presse. La presse parlée, écrite, télévisée en ligne. Je dis à pays a traversé un moment extrêmement difficile. Parti politique aidé les engagés pour le développement, décidé accompagner la population dans la bataille, dans le carrefour difficile ça que l'on traverse. C'est ça que fait. C'est le premier parti politique qui exige et qui est cohérent dans la bataille pour Ariel Henry, tant de raisons et démissionner. Parce que lui, impopulaire, illégitime et décrié, mais parce que pendant 2 ans également, il n'a pas remettre rien. C'est massacre, c'est kidnapping, viol sous tifi avec femme, c'est assassinat. Papil et papaquette. Et de quoi que je dis à pays a mérité une équipe dynamique, compétente, honnête qui vous dirigez avec un mandat clair, organiser élection et doter pays de élus légitimes ou capables de remembrer l'institution qui tombait en faillite avec Ariel. Bataille pour nous capoter système là, c'est pas bataille contre nous pour monde, mais c'est bataille pour tout le monde. Parce que système ça, Jean Camarade connaît les sous dit à l'heure, son système générateur d'extrême pauvreté, de violence et d'inégalité. C'est ça que fait. Nous voulons attirer attention population haïtienne. Sous une date qui est extrêmement importante, qui est 7 février 2024. Parce que Ariel Henry a examiné la qualité, il a pris un engagement, il a adopté en Conseil des ministres, il a publié dans le journal Le Moniteur. Qui vient faire que l'engagement ça? Il a une valeur juridique, en plus, une valeur morale. 7 février 2024, c'est dans quelques mois. Ariel Henry n'a pas bien organisé l'élection. Il n'a pas bien organisé, mettre campé un comité d'experts pour réviser la constitution. Il n'a pas mettre campé un conseil électoral provisoire. Donc nous-mêmes avons aidé, nous considérer Ariel Henry comme démissionnaire. Et là, c'est un ajout à la bataille. Parce que nous-mêmes, la bataille mandé Ariel Henry pour démissionner. Il n'est pas dépend de 7 février 2024. Mais étant donné, document ça, il est clair. Consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes qui signé 21 décembre 2022, qui publié dans Le Moniteur tout de suite après, l'ibaye engagement que Ariel Henry prend avec Ariel Henry, dimension ça. Donc, nous-mêmes, nous n'avons aidé, nous pas prêts.
pour nous signer un autre accord, un troisième accord pour Ariel Henry te payer. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ariel Henry a cherché, l'a fait en pile manœuvre pour qu'a signer un troisième accord pour capable être dans notre pays. Mais nous devons songer que le premier accord qui s'est accord 11 septembre là, il était un ensemble de dispositions, donc un ensemble d'engagements. Là-dedans, dans l'accord ça, Ariel Henry a organisé l'élection en 2022. Tu dois avoir des élus légitimes dans le président de la République là, qui montaient en 2023. Il va faire. Donc, en 2022, fin 2022, il a signé un accord pour le prolonger parce qu'il n'a pas respecté la disposition qui est dans le premier accord. Il fait une prolongation. Donc, je dis à la chercher mon troisième accord. Donc, nous attirons attention au mieux. Peuple haïtien, mon cafou fait. Cap déplacé, moun ka fè cap kouri mouri en bas la sécurité, nous attirer attention yo manœuvre dilatoire pour en place là pour kembe yo dans situation yo. Et nous tout connaît situation insécurité qui vient là jodi a peur généralisée qui fait tout journaliste qui fait que tout moun paix qui fait que tout moun a kouri qui fait que population sa capable a quitté le pays pour le Nicaragua, pour le Mexique, pour la République Dominicaine, à la humiliation, bagay ça profiter à Ariel Henry. Parce que si nous pas capable marcher, si nous pas capable de vaquer activité nous j'en ouvre, c'est pouvoir bénéficier ça parce que nous pas capable organiser. Nous pas capable organiser nous même une manifestation jodi a, moun peut aller là-dedans parce que vous pensez que mandi a tiré sur vous. Et c'est élément de langage. C'est propagande ça pour pouvoir faire. Donc, on peur généraliser. Solution, pour nous dire, c'est vrai que aider sous table négociation pour assurer que démission Ariel Henry doit discuter sans distraction, mais nous croyons que c'est la population qui vient d'aider. Nous dénoncer. Manœuvre Ariel Henry pour voir ça faire, pour faire même mise, contrôle total sur le système financier pays, ou manière pour capable jeune en pile l'argent pour faire élection malachon. C'est dans ce sens ça, yo fait nommer dans tête BRH en dehors de la loi un conseil. C'est dans ce sens ça tout yo pas chercher nommer un conseil électoral provisoire avec tes amis et alliés yo pour être capable de faire élection si passe-coute. Dans ce sens, nous demandons à la population pour être vigilants parce que nous-mêmes nous croyons. Bataille, peuple haïtien, pas gagné, c'est bataille qui va décider de mener. Et c'est ça qui fait continuer pour la solidarité. Avec nous, dans le département nord-est qui décide de prendre des stéréotypes. Nous connaissons qui bataille que moi-même, le ministre des Affaires étrangères, pour le ministre que nous avons fait. Pour nous être capable de continuer de travailler sur le canal Rivière Massacre pour nous faire canal irrigation ça. Donc nous rester mobilisés avec la population dans le nord-est. Et nous avons dénoncé attitude complice Ariel Henry avec raciste et ultranationaliste dominicain qui voulait faire Haïti tourner la cour derrière la caille. République dominicaine. Décision Gopoyet qui donc unilatérale à Binadel. Pour l'ouvrir frontière, nous dénoncer et là nous ouais silence complice gouvernement haïtien qui prend une position mais son position pour les camarades nous les dit là son position là l'osé c'est pas une position qui ferme et peuple haïtien comme peuple pionnier dans la bataille pour monde liberté pas quoi dans un gouvernement qui prend des positions qui va faire dans des positions là l'osé. Donc nous-mêmes, nous appuyons la population, nous avons continué à demander démission sans condition à Ariel Henry et continuer de travailler avec tout groupe organisé pour aboutir à l'objectif ça pour le bonheur et bien-être de la population haïtienne.